lorsque l'on devient marraine, on subit un peu le même syndrome que lorsque l'on devient parent. Mais si, vous savez. Donc bah ça c'est mon filleul, je te présente Raphaël, regarde comme il est mignon. Bah ça c'est le profil gauche de mon filleul, ça c'est le profil droit de mon filleul, ça c'est encore mon filleul du coup, mon filleul. Son premier fou rire, regarde. Et regarde là, sa première tétée. Voilà, moi je trouve qu'il a une capacité de succion qui est assez incroyable pour son âge. Tu vois, la façon de positionner sa bouche, tout ça, non mais il est vraiment précoce, ça sent tout de suite. Là c'est un câlin, il est trop choupinou. Ça va, regarde, l'air mystérieux, l'air coquin. Déjà son âge quoi, 2 jours, moi je suis assez impressionnée. Hein. Il y a quelque chose, donc ça c'est encore mon filleul. Ça c'est le photomontage que j'ai fait cette nuit, parce que j'endors plus, tu vois. Je sais pas, c'est plus fort que moi, j'ai besoin de dire à tout mon entourage que je suis marraine. Je suis marraine! Ouh, je suis marraine! Vu que les voisins se sont plaints de ma nouvelle lubie, j'ai tenté de me contenir. Mais c'était incontrôlable! Oui, parce que l'autre jour, en fait, quand je sortais les poubelles, ben, tu vois, j'ai pensé direct aux couches de mon filleul. Ah, mais je t'ai pas dit, je suis marraine! Oui, salut, je suis marraine! Coucou maman, je suis marraine! Allô? Oui, je suis marraine! Coucou Jérôme, tu sais, oui, mais je suis marraine! Oui, non, mais on en parlera après. Je suis marraine. Coucou tonton, je suis marraine. Allô, je suis marraine. Oui, bonjour, ça va? Ouais, je suis marraine. Oh, mais Marie! Salut. Coucou, félicitations, dis donc, maman, qu'il est beau le bébé. Hein. Ça doit te changer d'être maman. Enfin, tu sais, pas autant que moi. Enfin, c'est bien d'être maman, mais moi, je suis marraine. Je t'avais dit que j'avais un filleul. Ah, non? Tiens, tu veux voir des photos? Regarde. C'est pour mon filleul. Oui, parce que oui, je suis marraine. Vous voulez voir des photos? Parce que là, j'ai plein de photos et il est beau. Bref, vous avez compris, hein. Je suis extrêmement touchée par ce nouveau rôle que l'on me confie. Voilà, je vais aménager une chambre à la maison parce que je veux qu'ici, il se sente comme chez lui. Tu vois, tout ce qui m'appartient, appartient aussi à mon filleul. Tu sais, je suis vraiment une amie comblée. Je suis très, très émue d'être marraine. Je pouvais pas rêver mieux, en fait. Voilà. Ben non, on est content que ce soit toi, parce qu'on sait que s'il nous arrive quelque chose, ben il sera choyé, il sera en sécurité avec toi. What? Madame, j'ai le regret de vous annoncer la disparition des parents de votre filleul, Nicolas et Audrey. Étant donné que votre nom figure sur le registre signé par les deux parents, je dois vous remettre l'enfant. J'avoue, j'avais pas envisagé les choses comme ça. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à Hugo, moi? Hein? Et qu'est-ce que je veux faire de toi, Raphaël, la semaine prochaine quand je serai en déplacement à Paris? Et mon voyage en Chine? Tu penses que je vais devoir tirer un trait sur mon abo ciné et mon forfait dans la salle Muscle ton corps? Mince, pas alors? Oh mince, qu'est-ce qu'il peut avoir? Oh mais alors, Loulou? Mais alors? Ah bah oui, t'as faim. Merde, t'as faim. Comment je fais? Oh ah oui, tu bois au sein. Oui, tu bois au sein. Ok, je vais quand même pas te donner le sein. Je veux dire, ta maman serait pas d'accord en plus. C'est pas des manières, ça. Mais bon... comment je vais faire, là? En plus, j'ai pas de lait, moi. Bah non. Ouh, heureusement que t'es pas compliqué, hein, toi. Hein. Oh mince. Mince, y a chérie qui appelle. Attends, deux secondes. Oh. Allô? Oui, mon cœur. Oui, mon chéri. Ah, le restaurant ce soir. Comment te dire, oui, je sais que pendant les vacances, on n'a pas pu être tous les deux. Il y avait les 3 enfants, que c'était compliqué, que là, ils sont partis chez les parents respectifs. Mais comment te dire, Non, c'est pas ça, Bah ça, il y a un 4e. Wow. Non, je suis pas enceinte. Mais non, je suis pas en déni de grossesse. Non. Ah non. Ah non, 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 je suis très fidèle. C'est pas ça. Mais... Oh là là, la panique. Bonne nuit, bébé. Si tu continues à être sage comme ça, demain, c'est sorti chez l'esthéticienne. Thank you.
au moins je me sens moins seule avec toi quand Hugo est pas là. Bonjour bébé. Alors bébé, tu préfères cette robe-là ou cette robe-là? Moi j'aime bien avoir ton avis, tu vois. Alors, en fonction de ton petit regard, je saurai. Tu sais, la recomposition familiale, c'est pas évident. Mais à force de communication, d'acheter des livres, de lire, eh ben on arrive à trouver nos repères et c'est plutôt agréable. Et finalement, on apprécie ça, hein? Ben oui, toi t'es pas encore là-dedans, hein, mais je suis sûre que t'auras ton avis un jour. Et on discutera tous les deux. Oh, je te parle! T'es là? Oh! Hé! Et toi, t'es là, toi? T'es encore là? Ben oui. Je me sens prête, Audrey, pour cette responsabilité. Je me vois la marraine, consciente de tout ce que ça comporte et fière de l'être.